Vas-y. Ah, t'y retournes quand même, t'es vraiment gourmand. Salut à tous, on démarre la semaine un petit peu différemment. Pour une fois, on n'est pas dans le camion, on est à 7 sur le spot. Et on va essayer de filmer un petit peu de kite. On va pas essayer, on va filmer. Parce que enfin, si on va filmer, mais bon. Si on essaye, ça veut dire que j'ai plus de drone. Non, c'était surtout pour le vent je parlais, parce qu'on a des petites galères de vent. Ça continue, la météo difficile. Ça fait bientôt une semaine et demie que ça dure. Il fait froid, le vent est moisi. Voilà, vivement que ça change. Mais donc c'est pour ça que je disais qu'on va essayer de filmer du kite, parce que je sais même pas si les ailes vont pouvoir décoller. C'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. On est parti, on décolle. Mais qu'est-ce qu'il est technique, posé de drone à la main, mais c'est vrai. Aïe aïe aïe. C'est un début à dire. Ça nous impressionne tous les jours. Donc comme vous le savez les amis, toutes les semaines, le Doody Master prend le contrôle de ce vlog. Alors attends, comment ça tourne? Ok, donc là, on est actuellement. On se dirige vers ce point grâce à cette télécommande. On peut parler au glissou. Est-ce qu'il nous entend, le glissou? Est-ce que le glissou nous entend? Mayday, mayday! Bah ouais, je t'entends, on est nickel. Ah parfait, j'ai cru que tu me répondais pas. J'étais en train de dire à Bruce. Donc tu peux dire bonjour à YouTube parce que là on est en direct. Hein. Je suis en direct sur le spot de Sepsa et notre ami Silk722 nous rejoint à l'instant. Merci beaucoup pour votre participation très cher. C'est avec plaisir grâce à ces magnifiques radios Decathlon. À fond la forme, hein. Surtout n'oublions pas. Le placement de produit Decathlon, vous pouvez m'envoyer le petit chèque. Actuellement, je prends 25 000 la prestation. Dans le plus grand des calmes, bien sûr. Bon, les amis, je vous laisse, on va pas flinguer toute la batterie tout de suite. Allez, bisous, hein, à tout à l'heure. En fait, non, je vous laisse pas tout de suite. Parce qu'il y a un truc que j'avais pas. Tu vois, moi, c'est la première fois que je viens sur ce spot, les gars. Il y a un truc que j'avais pas capté. C'est-à-dire. Oh putain! Ah ouais, d'accord. Ok, on va. Tu vois, il faut essayer d'éviter de décéder dans l'instant, d'accord? Parce que là. Oh putain de merde! Oh ouais! Oh, ça c'est. Ça c'était pas prévu! Oh putain! Ah ouais, ça c'est la merde! Ça va. Ok, je vous le dis, je viens les gars de complètement me tremper là. En fait, j'avais pas compris, mais attends, là tu vois, j'ai de l'eau jusqu'ici, mon téléphone était ici. Putain, j'ai cru que j'avais plus de téléphone, je te le dis. Donc là le roi du fail est ici présent, les gars. Ça se trouve, vous entendez rien du tout avec ce vent, mais c'est pas grave, on continue. On est chaud ou quoi, Luna? Ça y est, ça fume, là, c'est rouge. Là, t'as intérêt de nous montrer les produits de ton arme. Bah ouais. Mais non, mais je suis venu te déposer si tu voulais faire une photo. Alors c'est ça, Silk 722. Alors qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que tu vas faire, le youtubeur?
suis pas bien. Bon, on est. On est mardi, il y a Pierre qui fait sa chochotte qui ne veut pas parler. C'est moi qui prends le téléphone. Nous sommes au magnifique restaurant du camping Le Palavas, juste à côté de l'école. Vous pouvez venir déguster comme nous de superbes assiettes kebab. Et burger. Donc c'est juste placement derrière d'assiette. Placement d'assiettes. C'est juste derrière l'école. Non, voilà, on se réunit, on a très peu l'occasion de se réunir avec l'équipe parce qu'on est toujours à gauche à droite. Là, ça y est, il y a Baptiste qui nous lâche après un mois où il a fait semblant de travailler. Il part, on ne sait pas trop où, il part en vadrouille. Bref. Donc voilà, c'est pour ça que on fait péter l'assiette kebab. Genre, t'as pas pied en fait, non. Enfin, t'as pied, mais non, genre là. Si, mais genre là pour moi. Oui, le problème, c'est que moi j'avais mon téléphone là. Je fais premier pied, deuxième pied, troisième pied. Genre, tu vois, mon téléphone il est ras de l'eau, tu vois, il dit je sors et tout. Après, j'ai coupé la caméra, j'ai vu qu'il y avait des gens à côté, donc j'avais un peu honte. Et après, je me suis refumé, tu vois ma veste qui tremblait jusque là. J'ouvre et tout, je sors mon téléphone. Parce qu'il était sec. Pour un petit dessert, plus, ma foi, aucun sens, sympathique. Sujet, rien. Tarte au citron. Je l'ai récupéré hier, tout nouveau jouet pour les vagues, le petit surf MeToo 2017-5-6. Alors curieusement, il ressemble étrangement à mes underground de l'époque, que MeToo trouvait très sympa d'ailleurs. Je sais pas s'il n'y a pas eu un peu d'inspiration. En tout cas, c'est très très semblable. Le pont est creusé avec les channels sur les côtés pour attraper la planche. Le strap qui recouvre presque toute la planche. Ça devrait être sympathique dans l'eau. Elle est où Mimi? Ah, mais dans sa cabane! Alors bonjour madame, qu'est-ce qui se passe dans cette cabane? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais quelle vitesse, Mimi! Bravo! On regarde maman. Non, je suis en train de filmer là. Wouhou! Bravo, Mimi! C'est mettre le bateau à l'eau et c'est le déluge. On a une météo mais de chiottes cette année, c'est un truc de malade. Non, mais ça rend dépressif quoi, c'est pas possible. On a l'impression qu'on a la météo qui s'acharne contre nous quoi. Toujours voilà, essuie-glace à fond. Il y a un groupe qui avait rendez-vous à midi, un groupe qui avait rendez-vous à 16h, à mon avis, ici, on va peut-être éventuellement essayer de faire un seul groupe à 15h. Mais la météo s'acharne. Bon, la surprise du matin, par contre, il fait toujours super mauvais. Mais par contre, regardez-moi ça derrière. C'est Hawaï. Je vais vous filmer ça de près, mais c'est rare que ça fonctionne comme ça devant l'école. Là, c'est vraiment magique. Du coup, il pleut toujours. On va peut-être bien, en fait, faire une session surf. Hein. Mais là, c'est pour ici, c'est super beau, là. J'arrive à filmer une belle série, mais regarde là-bas derrière. Regarde derrière la série là. Qu'on était venu, on est là pour mettre le bateau à l'eau, faire des cours de kite, mais il y a des conditions assez rares pour Palavas.
vlog une nouvelle fois. Le petit inside LAB. On est là, on est bien. Vous n'entendez rien, il y a beaucoup de vent, certes. C'est sûr. Donc qu'est-ce qu'on fait au inside LAB aujourd'hui? On fait de la marche. Voilà, parce qu'il y en a qui partent en bateau et il y en a qui partent à pied, voilà. Bon. Aïe. Bon, c'est pas grave. Attends, il y a quelqu'un. Normalement, frérot, tu m'entends pas trop, mais j'essaye de cacher le vent. Regarde ce qu'on fait au LAB. Livraison de GoPro, frérot. Tu verras ça nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, les youtubeurs. Voilà, bon, bref. Bon, bah là, on est parti. 4h30, la troisième session. On est au taquet. Demain, on enquille la même chose. Et voilà, je vais vous faire les petites images sympatoches. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Matin 8 mai. Bon. Je suis dans un sale état. Hier, on a fait une journée avec 3 séances, 8h30 le matin. Donc, quand c'est 8h30 le matin, il faut que je sois présent moi à 6h à 7. J'habite à 1h d'ici, donc je vous laisse imaginer l'heure de réveil, en gros, 4h30, 5h. Je suis sur le pont. Du coup, la journée, malgré la crème sur l'eau, on a cramé. J'ai plus de jambes, j'ai plus de voix. Mais lundi 8 mai, il faut qu'on reparte pareil. Une séance à 8h30, une séance à 12h30, une séance à 16h30. Il va falloir tenir jusqu'à 20h30 ce soir. Bon, il n'y a plus qu'à. Direction la maison, on rentre enfin chez soi après un gros week-end. Au total, on calculait avec Pierre 35 heures de boulot sur 3 jours, 28 heures sur l'eau et 7 heures de préparation. Voilà, où est la baie, les 35 heures, c'est pas à la semaine, mais c'est au week-end. Et puis bah là, je rentre chez moi avec un nouveau look. On m'appelle le raton laveur maintenant. C'est vrai que j'ai les yeux blancs et le visage tout rouge. Bon, c'est pas faute de m'être protégé, de m'être caché sous la capuche, la casquette, les lunettes, etc. Mais c'est vrai que quand on passe 28 heures sur l'eau d'affilée, enfin en deux jours quoi, bah ouais, ça laisse quelques traces. Donc je pense que je vais m'acheter ces espèces de demi-cagoules là qui cachent le visage. J'ai vu ça sur internet. Affaire à suivre la semaine prochaine. Mais je pense que vous allez me voir très prochainement dans les inside des labs avec des espèces de cagoules qui cachent tout le visage là et qui sont pas mal quand on passe beaucoup de temps sur l'eau. Alors, re-raconte-moi ma chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé à ta joue là? Je m'en fais le bobo. Tu t'as fait bobo, mais comment? Dehors. Dehors? Je suis au ballon droit. Tu joues au ballon dehors et t'es tombé? Oui. Oh. Et à l'autre joue, alors, et l'autre bobo, c'est quoi? C'est Lisa. Lisa, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Lisa, elle va bobo moi. Oh, mais pourquoi elle t'a fait bobo? Parce que... Pourquoi elle t'a fait bobo? Tu sais pas? Oh bah, regarde, non, regarde, tu les as pas finis ceux là-bas. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi Lisa, elle t'a fait bobo. Oh. Cassé. Bon, c'est pas grave. Pourquoi elle t'a fait bobo, Lisa? Nulle part. Enfin, un métro, il y en a. Non, mais... ça se vend pas beaucoup. Ouais. Donc, petite réunion d'équipe et on en profite pour. Voilà.
inaugurer les Dr Pepper et ramener un petit peu de saveur californienne à Palavas. Vous les trouvez chez nous. Vous pouvez, quand vous passez à l'école, venir nous demander. Le frigo est blindé de Dr Pepper si vous ne connaissez pas. Voilà, c'est une boisson américaine qui sponsorise le foot américain universitaire, etc. C'est vraiment Californian Lifestyle. Venez goûter, n'hésitez pas. Et voilà, et sur les soirées qu'on va organiser à l'école, ça sera une des boissons phares. Allez, aujourd'hui, il y a des vagues. Il y a du vent du sud, sud-sud-est, direction Carnon pour des cours de kite et puis un petit peu de fun. Pierre, alias Silk722, que vous commencez à connaître de l'équipe, va reprendre un petit peu la navigation. Ça fait un petit moment qu'il n'avait pas kité, donc il va reprendre un petit peu. Il va waterstarter, il va essayer de bosser, mais tout ça dans les vagues. Bref, c'est parti. Let's go. Bon les gars, après on est waterstart pour moi. Mon coach privé. Allez là, tu vas faire les pissous. Oh merde, on le voit plus. Oh enculé. Oh l'enfoiré, il m'a sauté par dessus. Oh le salaud. Moi je vous dis bonne semaine, n'oubliez pas les glissous, life is a beach, alors on en profite et on se prend pas la tête. Ciao.